Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on va essayer de jouer chill, de jouer. Ouais, on va essayer de jouer les gars. Non mais on va être chill parce que franchement hier dans le dernier épisode, franchement c'était que la guerre et il y en a marre de la guerre, hein. Faisons la paix. Non mais sérieux, je vais essayer de passer inaperçu, je vais jouer chillax, je vais éviter de défoncer les joueurs même sans raison parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être dans mon coin. Alors vous inquiétez pas. Oh la moto, j'aurais bien aimé la prendre. J'ai pas oublié qu'on devait brûler 100 000 $. Donc on va aller les brûler tout de suite. Eh ouais, faut tout noter les gars. Faut être un vrai comptable. D'ailleurs en parlant de comptable, putain les gars, il y a des trucs qui me saoulent dans YouTube là. Oh là là, c'est la déclaration de TVA frérot. J'ai tout fait comme il fallait. Je l'ai fait même 2 semaines avant et tout, et ça va pas encore frérot. Et que je dois faire des appels et demander des remises gracieuses qu'on me rajoute des pénalités et tout ça. C'est vraiment casse-couille franchement. Que la TVA, je vous ai pas expliqué les gars, mais la TVA quand vous la récoltez, moi je la récolte sur YouTube, vous devez par exemple en 2023, tu dois payer 55% en juillet de ce que tu faisais, de ce que tu as fait en TVA sur 2022. Donc c'est complètement débile, c'est débile parce que d'une année sur l'autre, tu ne fais pas le même chiffre d'affaires, donc c'est débile. Si en 2022, j'ai payé 10 000 euros de TVA, ça veut dire que automatiquement en juillet, je dois 5 500 € de TVA quoi. C'est débile quoi. Alors que bref, je vais vous épargner les détails parce que c'est vraiment casse-couille. C'est vraiment l'administration française, hein. C'est dans ces moments-là que je me dis putain, un bon CDI où tu débranches ton cerveau, frérot. C'est pas plus mal aussi, hein. Ah ouais. Alors, 100 000 $. Donc on a 1 313 000, donc il faut tomber à 1 213 000. Let's go, les potes. Voilà, j'ai un peu grignoté au-dessus, histoire d'être sûr. Voilà, ça c'est fait. L'air maintenant, la plus longue marche arrière sans accident. Il y en a vraiment qui font ça pour 10 000 $. Maintenant, on va aller jouer au casino, les potes. On se met en tant que boss, on demande le véhicule, on se gare proprement. Voilà, nice. Là, il va popper dans mon dos, nice. Et normalement, je pense que j'ai l'acide à faire aujourd'hui. Et ouais, faut monter aux 2 millions, j'ai dit. On achète la boîte de nuit quand on atteint les 3 millions. Comme ça, il me restera 2 millions. On commence à mettre des sous de côté, les gars. Et ouais. Alors, direction le casino. Et la petite planque, elle est où? Oh putain, c'est la planque qui est casse-couille. Oh, je suis à 2 doigts de rage kit, là. C'est la planque au camp des nudistes. Enfin, des hippies, là. Vous savez, quoi. Ah ouais, ma conduite aussi. Alors, voyons voir. Lançons la roue de la fortune. Allez, une petite mystery frérot pour changer. S'il te plaît, j'ai que des t-shirts là depuis un moment. Ah non, c'est trop fort pour mystery. 15 000 RP, nice. Niveau 89. Alors, on va tout de suite appeler le labo d'acide et taper la vente. Comme ça, on sera débarrassé. Genre, le point bleu disparaît, quoi. Ah, c'est bon. LR. Voilà, on est full de chez full, les gars. Oh, ça fait plaisir. On va accélérer la prod tout de suite. Voilà, la prod est accélérée. Hop là. Allez, on vend tout de suite. C'est plein à craquer. Je sens que je vais avoir une mission un peu plus longue. Genre, les 10 paquets, je les vois gros comme une maison. Ok, il y a de la MK2, on se fait agresser. Pas moi frérot. Frébier là. Putain, je sors, il y a une MK2 quoi. Ah, j'ai les 10 points de livraison les gars, mais c'est dans le nord, donc ça m'arrange. Oh non, mais... c'était gros comme une maison, frérot. Ouais, c'est où les points? Oh là là, d'accord. Ok, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est ce que je voulais. C'était farmer chill, les gars. Olé. Vous avez vu, il y a... enfin, je sais pas si vous avez vu, il y a une map de soi-disant GTA 6 qui leak. Enfin, ça fait un moment qu'elle a leaké, hein. Ça fait déjà longtemps. Je sais pas si je pourrais vous la remettre. J'essaierai de vous la remettre. Vous pensez que c'est une vraie map, les gars, ou que c'est du fake? Moi, je dirais que c'est du fake, moi. Ah ouais.
Moi je vous dis, ce qui manque le plus à GTA, c'est un parc aquatique, les gars. Il y a un parc d'attractions, mais le parc d'attractions, bon, il est un peu éclaté, mais un parc aquatique, je sais pas, ou des missions où on fait des toboggans à plusieurs, on peut se mettre des patates en descendant là. Ah ouais, ce serait énorme. Ah ouais, ce serait le feu. Un bon parc aquatique là, avec des toboggans et tout, ça nous ferait grave du bien. Ouais, ça ferait un peu de autre chose que du Big Bim Bam Boom, du MK2 moto voiture, ça changerait. Ah ouais, c'est ce qui manque à GTA 5 Online. Ah ouais, un peu plus de... Encore plus de fun, hein. Ah ouais. Regardez la vignette que j'ai mis, là. Ça vous donne pas envie, franchement. Ah ouais. Imaginez les trucs avec les toboggans et tout. Faire des courses de toboggans. Le premier arrivé dans l'eau a gagné. Moi, je kifferais trop. Foutez-vous de ma gueule. Moi, je kifferais trop. Ça ferait des activités de chill, tu vois. Autre que des cartes crash, je sais pas quoi, là. Des Mario Kart bis, là. Avec la taxe, là. Alors... Ah, MK2 dans le coin. Ah, je crois qu'on va s'asseoir sur notre vente d'acide. Ou pas. Pilote Gouzia, quoi. T'abuses, t'es pile poil. Regardez, il est sur mon trajet, quoi. C'est un truc de fou. Il va croire que je viens l'agresser, putain. Alors que pas du tout. Ah non, il décolle en avion, c'est pour ça. Ok. Mais putain! Mais putain, mais c'est de la merde! Bon, vas-y, tu sais quoi? Allez, on descend. Voilà! T'es content? Et voilà, et on se dirige vers un autre joueur. Allez, nice! Même pas besoin de descendre, c'est ça le Thug Life. Alors, prochain point. On a déjà fait la moitié là, presque. C'est nice. Nice. Allez, sixième point. On a fait le septième. Allez, bon débarras. Après, qu'est-ce que je vais faire? Commençons à réfléchir maintenant. Le bunker, peut-être un petit coup de bunker, on sait jamais. J'étais sûr hein, que j'allais avoir cette vente, c'est marrant ça. Hein. Ça faisait trop longtemps que j'avais eu les ventes en un point là. Et le dernier point, les gars, the ultimate packets. Là, il y a une porte normalement, on se me fait pas avoir. Ouais, il y a un portail ici. Schlack. Voilà. Quitter la zone, bah on va se faire un bon paquet de flouze. Et là, il n'y a pas besoin de brûler de l'argent. Ça, c'est net dans notre poche. Allez, combien, frérot? 527 000. Nice. On met tout sur le compte bancaire. Et on a encore plein de matières premières dans l'acide. Donc nous, on va demander... Quoique, on est à côté de la coque. On est juste à côté de la coque, frérot. On peut passer à la coque, histoire de vérifier que tout va bien. LR démissionné. Président du club de motards. Let's go. Alors là, qu'est-ce qu'on a quelque chose? Je m'en souviens même plus. J'avais ramené deux matières premières en 70 000. C'est trop bas, les gars. C'est trop bas, sachant qu'on doit brûler la moitié. En fait, il faudrait que dans la planque du jour, on ait de la coke. Il faudrait qu'on ait de la coke. On va prendre le buzard et on va aller au bunker. J'ai pas du tout envie de faire une vente de bunker, mais bon, faut faire les choses dans l'ordre logique, hein, sinon on s'en sort pas. Quoique, j'ai la planque juste là. On va faire la planque. Let's go, alors faudra pas se faire avoir, faut bien nettoyer la planque avant d'y aller, je crois. Hein, ouais. Est-ce qu'il y a du nettoyage à faire? Non, on dirait que ça va. On dirait que ça a l'air d'aller. Bon, on atterrit. Ah, bah tu vois. Ah ouais, on se fait fusiller, mais laisse tomber, frérot. Ah ouais. What? Mais ils ont pas censuré les zigounettes, Rockstar. Allez, indisponible avec un indice de recherche. Ben voyons. Allez, on appelle Lester. So you don't wanna get in serious trouble, huh? Allez, road to the plank. Ça, c'est fait. Après un petit coup de bunker. Épisode chillax, on a dit. Et j'ai envie de réviser des véhicules à l'atelier auto, mais je crois que j'en ai pas reçu encore. Ah ouais. Alors, le papier, il est là. 01-23-45. 01-23-45. On quitte la zone.
Planque pillée, labo d'acide. Ah, on n'a pas de chance, le labo d'acide était déjà quasiment full. Ah ouais, un mauvais délire, mais bon, c'est le jeu. Oh, ça me démange. Ça me démange, j'ai envie de les shooter, là, il y a moyen de faire un carnage, mais bon. Vas-y, on se calme, on se calme. Ah ouais, en plus, je viens de recevoir 2000$ de bonnes récompenses et de bons comportements. C'est pas le moment de trahir Rockstar. Eh, alors, par contre, les gars, si j'ai la vente ultra relou là, je vous garantis pas que je casse pas une règle de Tsum Tsum et que je la fasse pas. J'ai pas la foi là. 110 000, what, y'a du stock de ouf. On a encore des matières premières, c'est nice. Allez, vendre à Los Santos pour 262 500. Oh nice, oh la chance que j'ai. Espérons que ça passe. Oh, y'a du monde de ouf sur le chemin. Oh là, j'ai pas le droit à l'Arga Fantôme. Bon, moi on est mort. La vente de bunker, elle est... Autant se dire que c'est mort. Comme ça, si c'est pas mort, on n'aura pas les boules. Ah ouais. Ah ouais, c'est mort, c'est mort. Vas-y, je fonce dans le tas. Allez. Non, frérot, non. Tout ça à cause de ces bolos qui avaient les flics. Je peux pas la raccrocher. Elle est où, la remorque? Oh là, j'ai réussi à la raccrocher, c'est un miracle. What? Vous avez vu comment c'était fragile? Putain, lui, il fait le malin, lui. Mais t'as un problème, moi, je te défonce. Il a bien esquivé, hein, Pierre-Nic. Bonne esquive, frérot, bonne esquive. Oh là là, le peuple qui a, laisse tomber. Oh là là, le vol plané, incroyable. Ça va, cette vente, elle est pas très rare, hein, je trouve. On l'a souvent quand même. Poussez-vous, poussez-vous. Ah, il speed, hein, quand même. Ah, quand t'es lancé pleine balle. Ah ouais, on peut même pas freiner, quoi, tellement on est lancé pleine balle. Alors, nous voilà, nous arrivâmes. Je crois qu'on va acheter la boîte de nuit dans cet épisode, les gars. Ouais, je crois, ouais. C'est bon, les gars, c'est dans la boîte. Plus 400 000$, les gars. Nice. Alors, voyons voir les business qu'on peut acheter. De toute façon, j'ai soit les marchandises spéciales, soit la boîte de nuit. Ou soit j'économise pour m'acheter un avion. Ça me fait chier d'acheter une boîte de nuit, les gars. Si c'est juste pour le coffre de marchandises, ça va mettre 4 ans à se remplir pour gagner 300 000$. Je sais pas, les gars. Faut que je réfléchisse. Est-ce que je peux pas m'acheter un beau truc, un bel avion, un beau truc là, Warstock. Je peux presque m'acheter un Kozatka. Ouais. 7 millions le Reju, quoi. Ouais. Non, savez quoi, je vais rien m'acheter, les gars. Je craque pas, je m'achète rien, les gars. Est-ce que vous, franchement, dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que ça vaut le coup que je m'achète une boîte de nuit, sachant que j'ai pas le droit au coffre. Dites-moi votre avis, vos ressentis, argumentez, les gars, s'il vous plaît. Je vais lire les commentaires. Ouais. Ouais, est-ce que je les lis pas tout le temps, parce que quand je suis... Il y a des périodes où, tu sais, où genre, t'es plus OP que d'autres à recevoir des messages de haineux. Et là, en ce moment, je lis pas trop les commentaires, j'avoue, parce que je suis... J'ai pas trop envie de qu'on me rabaisse, tu vois. Ouais. Même s'il y avait plein de commentaires positifs, vous savez que on retient que les négatifs. Tu peux me dire 100 fois la vidéo était trop bien, il suffit qu'il y ait un kikoulol qui me dise Ouais, c'est de la merde. Et je vais penser à que au mec qui a dit c'est de la merde. Ouais. Mais je crois que c'est tout le monde qui est comme ça, parce que j'ai vu plusieurs youtubeurs parler de ça et dire la même chose. Ah ouais. Non, puis c'est surtout qu'en ce moment là. Pas envie. Faut pas se forcer, les gars. C'est trop loin de la guerre commerciale. Oui, mais je compte pas la faire. Oh là, il y a un mec qui va mourir là. Il y a une MK2 qui s'approche de lui. Raifer, t'es mort. Olé, on est passé in extremis. Olé. Il est où le chrono de AO cette semaine? Chrono de AO. Ah ouais, non, tu sais quoi? Tu sais quoi, les gars, je vais boire un verre au vanilla. Voilà, c'était juste un petit épisode farm chillax. Et il faut que je réfléchisse par rapport à la boîte de nuit. C'est tout. Voilà, les petits potes. Eh ben, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Petit épisode, hein. Et n'oubliez pas, les gars, on s'appelle, hein. La bise.